Bon matin, j'espère que ça va bien vous autres. Moi ça va, bien qu'un peu stressée. Aujourd'hui on est vendredi, c'est pas les visites, je ne sais pas, c'est les photos pour la journée même, vient prendre des photos. Hier ma belle-mère est venue me donner un méga coup de main. Elle m'a aidé comme à laver mes murs, à laver mes moulures, comme elle m'a désencombré ma cuisine, tout ça. J'avais déjà faites vraiment beaucoup, je pense que c'était dans le vlog que je vous montre. Dans le vlog que j'ai posté. Je suis plus sûre quand j'ai vlogué, mais en tout cas. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. La journée même vient prendre des photos. Lénalie s'est réveillée, genre. S'est réveillée tout court. D'habitude, elle se réveille jamais. Avant, genre. Genre, faut que j'aille la réveiller pour aller porter les gars, il y en a vu. Mais là, genre, à 7h20, elle a fait comme tété. Puis là, moi, j'arrêtais pas de repousser le moment où. Oui, oui, tu peux y aller. C'est ça, tu sais, à repousser. Je repoussais sans cesse le moment de commencer un peu à ramasser tout ça. Aujourd'hui encore, ma belle-mère pour m'aider, elle vient prendre Lénalie. Elle va peut-être la rendre vers 10h15, 10h30. Hey! C'est quoi cette chicane-là, là? C'est moi! Non, débarque, je vais commencer par faire les brosses à dents. Non, toi, là! Mon chien arrête pas de demander de sortir juste parce que le chien du voisin est là, puis son estuaire n'a pas de japper, fait que genre ça fait juste. Tout le monde se. Ben, pas tout le monde. Tess ne jappe pas. Ouais, Tess, elle jappe pas. C'est vraiment juste le mot du chien du voisin. Tu sais, comme un matin, là, elle jamais après Tess, c'était 6h20 le matin, là, tu sais, là, comme on a d'autres voisins, là, tu sais, puis moi je pense à eux autres, puis son estuaire est fatiguant, bref. Non, ça c'est Azak, tu touches pas mon amour. Tiens. Jackson, viens t'en, c'est prêt, t'as pas sa dent. C'est tes dents. Fait que c'est ça. Bref, ma belle-mère vient chercher Lénalie vers. Peut-être. En tout cas, elle a un rendez-vous chez sa mère à 11h, puis elle l'amène avec elle, là, tu sais. Fait que. Puis sa mère, elle habite à comme 25 minutes d'ici. 20-25 minutes. Fait que c'est ça. Fait qu'elle va l'amener pour me laisser la chance de faire du ménage toute seule. Fait que, tu sais, là, je l'ai comme ramassé le désordre de ce matin parce que oui, c'est revenu un crise de messe. Même si moi et ma belle-mère, on a tout torché hier. Puis on est allé souper chez ma belle-mère puis tout ça pour être sûr de pas faire de messe, genre. Mais ah, je savais qu'elle allait en avoir, mais c'est légendaire, là, comme. Au moins, tu sais, j'ai plus de nettoyage à faire. Ben oui, j'en ai, là, mais c'est plus du ramassage. Fait que c'est ça. Si ma belle-mère vient, mettons, vers 10h15, l'agent des meubles vient vers midi, vers 1h30. Fait que techniquement, je vais être correcte. Je vais avoir en masse de temps pour tout faire. Peut-être même pour relaxer un peu. Ça serait vraiment hot. Tu sais, comme le plus que je vais pouvoir faire ce matin avec Lénalie, mettons, dans sa chaise, dans sa balançoire ou sous le tapis d'éveil, le mieux ça va être. Il va rester juste à comme faire mes escaliers, tes affaires longues puis chiantes. Fait que c'est ça. Fait que là, mon but ce matin, ça serait de tout ramasser. Quand que ma belle-mère va partir avec la petite, ça va être d'aller faire ce qu'il y a en haut, mettons, vu que je peux pas laisser Lénalie toute seule. Ça va être d'aller faire ce qu'il y a en haut, puis je vais faire les lits, go, faire mon lit, patate patata. Fait que voilà. C'est un peu stressant, comme je vous dis. Puis là, en plus, j'ai comme su que mon propriétaire allait peut-être venir, c'était comme pas clair. Fait que c'est ça, mais là, au début, il était là, il disait à Jérémy, je pensais que ça soit toi. Puis j'ai comme, je manquerais pas de la job pour ça, là. Fait que comme ça, je suis là. Bon, là, je connais pas ni, on s'en parle plus tard. Bon, je suis de retour. Il est 8h30. J'ai déjà commencé à épurer encore plus. Ça, c'est de l'eau bouillante que faut que je fasse un biberon, là, à ma belle-mère tantôt. Fait que je laisse ça là, mais après ça, aussitôt que je vais l'avoir fait, je vais le ranger. Puis sinon, là, j'ai de la vaisselle un peu dans mon lavabo, tout ça, mais tu sais, ça va tout venir en temps et lieu. Sinon, tout le reste est fait. Donc, je vais vous dire ma to-do d'aujourd'hui. Il est 8h30. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 heures pour faire ça, dont à peu près 3 heures que je vais être toute seule. En ce moment, Lénalie dort. Fait que j'essaie d'en faire le plus que je peux. Fait que je vous dis ce que j'ai à faire. Finir la brasser. J'en ai une dans la laveuse, mais je l'ai oubliée. Fait que faut que je la reparte parce que c'est sûr que ça va plus le calice. Fait que j'ai fini la brassée de lavage, plus starter mon lavage de couche, ramasser les escaliers dans le fond, plus passer la balayeuse. Ça, je vais attendre que Lénalie soit partie. Faire les lits, faire la chambre des gars, parce que les gars ont 10 000 toutous, tout ça. Fait que tout ranger, tout ça, mais ça va être un genre 5 minutes, même pas.
Ranger le tapis d'éveil, ranger le tapis plus les jouets du chien, passer la balayeuse et la mop partout, vaisselle, mettre la vaisselle dans la vaisselle, fait que ce qu'il y a dans mon lavabo, ramasser le corridor, laver les moulures, puis sortir les poubelles. Fait que c'est ça ma to-do. Tu sais, en soi, elle a l'air énorme, mais c'est toutes des affaires que ça a déjà été fait, fait que c'est juste à, comme à peaufiner. Là, tu sais, dans ma chambre, c'est comme, je ramasse vite, vite les tables de chevet, je fais le lit. Tu sais, c'est une affaire de 2 minutes, là, tu sais, fait que c'est comme, j'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est toutes des petites affaires. Fait que c'est ça. Fait que là, je serais rendue, qu'est-ce que je pourrais aller faire? Je veux pas aller en haut, Lénalie est en bas. Fait que, mon Dieu, il me reste plus grand-chose, hein? Avancer, ben je vais faire mon lave-vaisselle. Puis, tu sais, comme je vais en profiter pour vraiment vider le comptoir, juste vraiment laisser la bouilloire, ça, fait que repasser une guenille partout, tout ça. Fait que je me lance là-dedans. Il est rendu 10h25 et demie. Ma belle-mère vient de partir avec les Nali. Ma to-do avance bien. Je suis contente, là. Les Nali, elle a été vraiment bonne. Genre, c'est moi qui l'ai réveillée. Dans le fond, j'avais porté les gars pour 8h, tu sais, qu'on est parti d'ici, il était comme 7h55. Puis Lénalia s'est emmenée dans l'auto, tout ça. Puis quand je suis arrivée, c'est ça, elle dormait encore. Puis comme c'est moi qui l'ai réveillée, là, vers 10h moins 5 pour la faire boire, parce que là, j'étais comme, faut qu'elle boive avant d'aller chez ma belle-mère, là, tu sais, ben avant d'aller avec ma belle-mère, parce que c'est ça, là, tu sais, je voulais pas qu'elle aille faim, comme pendant le chemin, puis tout ça, puis qu'elle pleure tout le long. J'avais fait bon un peu, elle même pas tout fini parce qu'elle se nousait encore. Fait que. Qu'est-ce qu'il y a, Tess? Ah, oh, Intelcom, c'est mon collier de la petite tour, je pense. D'accord, en tout cas, c'est ça. Fait que. Ok, j'ai quasiment peur, c'était le courtier, je te l'imagine, il a dit 10h30, puis mon propriétaire, comment, il a compris 1h30. Non, c'est mon collier de la petite ours, je pense bien. Fait que c'est ça. Ouais, c'est juste dans mon dé. Ouais, c'est ça, en tout cas, elle a dormi vraiment longtemps, fait que j'ai pu vraiment avancer beaucoup de choses. Comme là, j'ai fini ma brassée, j'ai pas encore fait mon lavage de couche, par exemple, je vais aller les chercher en haut. J'ai fait les lits, j'ai fait la chambre des gars, j'ai rangé le tapis d'éveil, j'ai rangé aussi les jouets du chien, pas son tapis encore. J'ai fait mon lave-vaisselle, j'ai lavé mes moulures, j'ai ramassé ma table, j'ai enlevé le screen en bas parce que j'ai rajouté des choses sur la liste parce que plus j'en fais, plus je pense à des affaires. Fait que là, j'ai pensé à enlever le screen de la porte patio en bas parce que depuis qu'on habite ici, il est brisé. Genre, on peut même pas laisser la porte patio ouverte en bas parce que le screen est brisé et on n'a jamais pris le temps de le faire réparer. Pis il est vraiment brisé. Fait que j'étais comme ça, on va voir comme tout le screen ouvert, là, pis tout, en tout cas, whatever. Fait que je l'ai juste enlevé, je l'ai mis dans le garage. J'ai marqué finir la salle de bain, puisque en montant, je me suis rendu compte que Jay avait juste fait une des deux portes de douche. Qu'il faut que j'enlève les petits bonhommes de pâte patrouille dans ma douche. Tu sais, ranger les jouets, enlever les bols des chats, tout ça. J'ai fait les litières aussi. Ben, tu sais, c'est juste comme enlever ce qu'il y a en ce moment. Là, on les a faites genre avant-hier. Fait que, tu sais, je vais pas les vider tout ça juste pour enlever le caca qu'il y a dedans. Puis, j'ai sablé les poteaux. Parce que, croyez-le ou non, il y a une couverte là sans arrêt. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a une grosse couverte ici en tout temps qui m'écœure bien raide. Parce que Tess a grugé les poteaux de moi à ma rampe. Fait que, là, on va les remplacer. Inquiétez-vous pas, là, je laisserai pas mon propriétaire s'arranger de ça. C'est vraiment notre faute. Tu sais, j'ai le droit d'avoir mon chien. Fait que, tu sais, c'est pas. Je sais qu'il va pas être faire comme, hey, là, t'avais même pas le droit de chien, blablabla. T'sais, il sait que j'ai un chien. Mais, OK, Tess! Elle est tellement broyeur. Là, elle broye parce qu'elle a vu le chat. Elle broye parce que ma belle-mère est partie. Elle broye tout le temps. Fait que, c'est ça, en tout cas. Fait que, là, il va falloir que j'enlève cette couette-là pour les photos et tout ça. Mais je vais sabler au moins là, les bouts qui dépassent tout ça. OK, Tess! C'est fini, là! Fait que c'est ça. Sinon, mon salon ressemble à ça, là. Ça a l'air de rien, mais cette table de chevet-là va venir à côté du sofa-là quand je vais avoir enlevé le tapis du chien. Je vais enlever mon porte-bébé naturellement. Ça, puis ça, je vais les tasser, tu sais, comme dans le salon quand ça va être le temps de prendre les photos du salon. Je vais les remettre dans le salon quand ça va être le temps de prendre les photos de la cuisine, tout ça. Ma table, il y a un petit peu de stock, il y a un peu de gelinani, je viens de la changer. La casquette à jeu, une cuillère, tu sais, des affaires, ça va me prendre 2 minutes.
Puis ma cuisine est pas mal terminée. Là, je viens de me faire un verre d'eau. J'ai mon affaire de mop que j'ai lavé. Mais sinon, là, je vais enlever ma bouilloire. Puis je vais tout enlever parce que dans mon lavabo, il y a des guenilles en fait, plus que d'autres choses. C'est des guenilles puis des biberons qu'il faut que je lave. Là, c'est ça. Il faut que je passe à boire de l'eau aujourd'hui. Parce que je bouge pas mal plus que d'habitude. Fait que c'est ça. Fait que il m'a ramassé les escaliers, plus faire la balayeuse dedans. Mais juste ça, il faut que j'attende de sembler les poteaux avant de le faire, tout ça, parce que ça va faire du brin, là. Fait que là, je m'en vais en haut. Je vais aller faire mes affaires dans ma salle de bain. Fait que je vais vider ma douche, tout ça. Je vais enlever des bols des chats. Tu sais, c'est parce que ça me gosse, par exemple, je vais leur enlever de la bouffe pendant comme 3 heures, mais en même temps, c'est pas dramatique, là. Tu sais, c'est pas genre, je leur enlève une journée au complet. Mais c'est ça, je vais leur enlever leur bouffe puis l'eau aussi, tu sais, je vais tout ranger. Puis c'est ça, tu sais, finir de laver la porte que j'ai pas fini de laver. Et patati patata, fait que je m'en vais dans ma salle de bain. Bon, il est rendu 11h35. Ma to-do est presque finie. Même s'il y a des affaires que je suis comme, il faudrait vraiment que j'aille faire ça. Vraiment, fort chiant. Mais là, j'ai tout fait mes escaliers. J'ai ramassé mon entrée. J'ai été sortir mes poubelles. Fait qu'il me reste à faire ranger le tapis du chien. Passer la balayeuse et la mop partout. Puis là, ça, je me suis dit, genre, je suis quasiment mieux d'attendre que ma belle-mère vienne chercher mon chien avant de faire ça. Mais en même temps, c'est que si elle arrive genre à 1 heure, je vais peut-être être un peu mal pris. Mais en tout cas, regardez ça. Pour cette balayeuse mop, le tout, ça c'est fait. J'ai faire les litières. Puis mettre les bacs dans l'auto parce que j'ai des bacs de linge pas propres. Puis j'ai plus de place pour les mettre. Fait que je vais les mettre dans mon char. Oh my god! Genre ici, là, on a tellement pas de rangement, là. C'est fou qu'on n'a pas de rangement. Tu sais, qu'on a le garage, mais en même temps, si tu mets pas tout dans ton garage en ville. Fait qu'à part le garage, au rez-de-chaussée, on n'a aucune place de. Genre de rangement. Aucune. En haut, on a un petit garde-robe. Mais comme c'est, il y a des couvertes, des affaires là-dedans. Puis en bas, on a un rangement en dessous des escaliers. Mais tu sais, c'est là qu'on va mettre les affaires qu'on sert pas. Tu sais, comme on garde les bords de la télé, le temps de la garantie, le sapin de Noël. Tu sais, c'est comme un débarras. T'sais, on n'a pas de cabanon, tout ça. Fait que genre, c'est que je manque de place pour mettre mes affaires. C'est fou, là. Genre, j'essaye de ranger mes affaires à des places, mais il y a pas de place. Fait que c'est ça. Fait que je suis un peu à bout de souffle. Ça a été. Ça va bien. Je suis contente. Il arrive encore dans 2 heures. Fait que. Tu sais, ça fait juste 1 heure que Linali est partie. Puis j'ai fait beaucoup de choses sur ma to-do. Mais tu sais, comme là, il faudrait que je rajoute. Je pense que je vais le mettre là. Mais laver les miroirs. Parce que là, je viens de passer celui en haut. Là, il est. Faut vraiment que je lave. Puis. Autour de ma toilette aussi, là. Il y a comme bien du poil d'animaux parce que la bouffe de mes chats est dans la salle de bain. Fait que c'est ça. Fait que c'est toutes des petites affaires qui. À part passer la mop, passer la balayeuse, c'est toutes des affaires qui prennent 2 minutes. Fait que c'est ça. Je pense que je vais manger un petit quelque chose. En même temps, c'est que j'ai goût de pas arrêter. Parce que, tu sais, comme j'ai peur de pas être capable de restarter, là, tu sais. Ou que ça me tente crissement pas puis que je repouche qu'à dans la minute puis que là, j'avais vraiment plus le temps, tu sais. Je sais pas. Fait que c'est ça. Puis là, ben, mec, le monsieur parte. Je pense que je vais en profiter. Je vais prendre un petit 20 minutes pour moi. Puis je vais aller dans la douche. Parce que là, j'ai sué ma vie. Puis genre, je sais pas si je vais avoir le temps d'aller dans la douche. Fait que c'est ça. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis un peu stressée, je vous avoue. Là, ça me stresse un peu tout ça. J'ai comme peur qu'il. Tu sais, en même temps, il a tellement vu pire, là. C'est sûr qu'il a vu 1000 fois pire que ma maison, là, pour vrai, là. Fait que. Mais c'est que, genre, Jay m'a comme glissé qu'il y a peut-être mon propriétaire allait être là. Puis là, j'ai peur que lui, il dise des affaires, genre. Mais en même temps, je vois pas qu'est-ce qu'il aurait vraiment à dire, tu sais. Ça fait. C'est bâti depuis 10 ans, puis ça a jamais été. Tu sais, mon propriétaire n'a jamais venu rien faire ici, là. Tu sais, ça a pas été entretenu, puis tout ça. Fait que. Tu sais, en même temps, c'est un peu de sa faute, là. Mais c'est ça, comme je parlais tantôt, là, j'ai reçu ma commande, la petite tour. Je vais vous montrer. C'est les nouveautés, dans le fond, qui ont sorti hier. Fait que juste pour vous dire à quel point ils sont efficaces et rapides. Le lancement était hier, puis j'ai déjà reçu mes affaires. Comme vous savez, je suis ambassadrice. Fait que à chaque nouvelle collection, je me fais le devoir d'acheter
des couches. Puis là, cette fois-là, j'en ai acheté deux. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer ça. Ils sont encore disponibles, naturellement. Le lancement a été fait il y a quelques jours. C'est des nouveautés, là. C'est pas... il me semble que c'est pas durée limitée, là. C'est juste des nouveaux modèles. Fait que... c'est ça. Donc, c'était pour la collection plein air. Fait que c'est un peu en rapport avec ça. Donc, j'ai pris celle-là. Comme ça. Avec des fleurs, des petites coccinelles. Des petits pissenlits. Ben, en fait, c'est des pissenlits. Fait qu'elle est vraiment cute. Elle est comme grise, là. Genre, moi, sur le soleil, là. Ouais, elle est comme grise, grise beige. Puis j'ai pris aussi celle-là. Celle-là qui s'appelle Marguerite. Puis celle-là, je me suis butinage. Je suis plus sûre, là. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Fait que j'ai pris ces deux couches-là. Fait que je vais pouvoir aller ranger ça dans la chambre à Lénalie. Là, je sais plus dans quoi je pense. Je pense que je vais aller porter des bacs dans l'auto. Puis après ça, je vais aller faire mes litières. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été productive de même. Genre, j'aimerais ça en ce moment avoir une. Genre, j'ai pas. Elle est pas chargée, là. Mais avoir ma montre, là, pour voir. J'ai dépensé combien de calories aujourd'hui. Genre, mon corps doit être comme fuck off. What the fuck? What's happened to you? Mais c'est ça. Fait que. On se reprend plus tard. J'avais comme ambition de vous montrer comme mon ménage tout ça, mais je vous dis, j'ai tellement gaulé la gang là. Genre, Lénalie est partie, comme je vous disais, à 10h30. Ma belle-mère allait repasser à l'envers à... ça veut dire qu'il était 12h45. Elle est venue chercher Tess pour que je puisse faire finir mon ménage, tu sais, puis laver mon plancher tout ça sans que Tess elle salisse. Fait que là, tout est fait. Genre, checkez ça. Ça a pas rapport, là. Genre, tout est tellement propre. Ça a pas de sens. Fait que, je suis en train de me demander si, genre, je vous fais pas un house tour. Mais techniquement, je n'ai déjà fait un quand c'était vide, tu sais. Fait que, j'étais là, ah, oh, je préfère un house tour, mais, tu sais, c'est ça, là. C'est comme. En même temps, tu sais, les couleurs étaient pas pareilles, pis tout ça, mais vous voyez tellement dans mes vlogs que ça sort un peu à rien. Mais. C'est ça. Fait que là, il y a des affaires dans ma cuisine, là. Comme là, il y avait la balançoire à Lénalie, mais on l'a mis dans la... on l'a mis dans le... ouais, dans la cuisine, là, le temps qu'elle prenne les photos du salon. Je pensais qu'elle allait me faire enlever comme les jouets qu'il y a là, mais elle les a pas enlevés. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir les photos. Tu sais, je voyais un peu dans sa caméra, ça avait l'air tellement beau. Mais c'est ça. Là, de ce que je comprends, il va y avoir... des visites dimanche déjà. Ouais, déjà il y aurait des visites dimanche de quand qu'il m'a dit de 10 à 4 si je me trompe pas. Fait que c'est ça. Fait que là faudrait comme partir dimanche toute la journée. Mais là on part déjà samedi. Fait que là j'en parle avec ma belle-mère, mais en même temps c'est comme pas sûr encore. Tu sais, c'est comme on s'imagine que. Fait que c'est ça, mais le courtier, dans le fond, mon propriétaire est venu, que je n'avais jamais vu de ma vie. Il est venu. Puis après ça, il est arrivé avec le courtier, dans le fond. Le courtier a pris toutes les mesures, tout ça. Puis là, la photographe est arrivée après, fait qu'elle a pris des photos, puis elle m'a parlé. Genre, tout ce monde-là est tellement gentil. Comme je dis, j'avais jamais rencontré mon propriétaire. Il est super fin. Le courtier était super fin. Il m'a donné des conseils pour la manière qu'on allait acheter notre maison, puis tout ça. Il me disait comme les démarches, puis tout ça. Puis la photographe, on parlait de comme, tu sais, comme elle est en train de faire son cours de courtier, puis tout ça. Puis j'ai dit à quel point j'aurais aimé ça, comme être courtier immobilier dans ma vie, là, comme wow. Mais tu sais, c'est tellement mal, c'est dur à concilier travail, famille dans cette job-là. Mais tu sais, elle m'a dit, un moment donné, tes enfants vont vieillir, tu sais. J'étais là, je sais, tu sais. Avec les dernières, les gens, mettons, 10-11 ans, tu sais, je pourrais tellement faire un retour aux études ces 6 mois, là, genre un cours de courtier. C'est ça qu'elle a dit, moi, je vais le faire en 6 mois. Puis là, j'ai dit, est-ce que t'es comme débordée, tu sais, avec ton cours? Puis elle a dit, ben, regarde, j'ai encore le temps de travailler, tu sais. Parce que c'est ça, elle est photographe pour des courtiers, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, ouais, elle a quand même le temps de travailler, tu sais. Elle travaille peut-être pas de temps plein, tu sais, genre vraiment du 8 à 4. Parce que, tu sais, nous autres, mettons là, il est 2h35, puis on était les derniers là, de la journée. Fait que,
Fait que c'est ça, ouais, en tout cas. Ça avait l'air à me parler de ça, puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est hot. Fait qu'en tout cas, tout ce monde-là est super, super, super gentil. Sérieux, ça a valu la peine, là. Puis les photos ont l'air d'être vraiment magnifiques. Fait que c'est ça, ouais. Là, c'est fini. Faut vraiment aller chercher Lénali et mon chien. Puis j'aimerais ça peut-être arrêter avant, mais chercher quelque chose à manger au Tim parce que je n'ai rien mangé depuis ce matin. Ce matin, j'ai mangé un bagel avec deux yogourts et je n'ai rien mangé depuis. Et je veux dire, j'ai travaillé fort en tabarnouche aujourd'hui. On va se le dire. Fait que là, c'est ça. Là, je viens de fermer la majorité des lumières. Je pense que je vais faire le tour, fermer toutes parce qu'il faut tout allumer les lumières. Moi, je pensais qu'il fallait justement pas allumer les lumières. Mais non, toutes les lumières étaient allumées. Puis en plus, il fait super noir aujourd'hui. J'imagine que quand c'est comme une journée ensoleillée, que t'as pas besoin d'ouvrir les lumières. Ou peut-être, je sais pas. Mais là, toutes les lumières sont allumées dans la maison. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, je vais libérer mes chats. Je vais libérer mes chats. Ils étaient dans ma chambre. Je sais, parce que là, maintenant, Bertha faisait que se promener. Mais c'est ça. Fait que c'est fait. Le gros est fait, selon moi. Les visites, c'est une autre affaire, mais tu sais. C'est que les visites, c'est que là, le monde, ils vont ouvrir mes armoires et toutes mes affaires. C'est ça qui me gosse un peu. Puis là, je vous dis, là, j'ai sacré les affaires, les armoires, là. Comme, mais j'ai pas de place pour les ranger. J'ai pas de place. Fait que non, faudrait que je laisse tout tel quel jusqu'à dimanche, là. Mais genre, regardez mon armoire, là. Il y a n'importe quoi là-dedans. C'est fou, là. Mais tant peut-être qu'à soir avec G, je pourrais, comme, essayer de trouver des places pour ranger mes trucs, là. Mais c'est ça! Ok, là, bon, je viens de voir, la photographe est partie. Elle est allée prendre des photos de l'extérieur, là, de dehors. Fait que voilà! Donc, je m'en vais. Mais genre, je peux manger. Je m'en vais pisser aussi parce que je suis plus à l'endroit que j'avais envie de pisser avant même qu'il arrive. Puis c'est genre, là, 1h10. Fait que, bon, aux toilettes, maman, je cherche quoi manger. Maman, je vais chercher mes affaires. Salut! Ça va? Mon Dieu! Il est rendu presque 6h. Mon Dieu! Jérémy vient de partir avec Jackson à aller chercher du resto. Parce qu'on s'est dit, on s'alliera pas à la cuisine. Je sais pas si je l'avais dit, je pense que oui. Mais nous, demain, moi puis Jérémy, avec Lénali, on part voir mon beau-frère, ma belle-sœur, puis Lune, ma nièce, qui est née le 2 février. Fait que je l'ai pas vu encore. Fait que, ben, je l'ai vu en photo, mais je l'ai pas vu en vrai encore. Fait qu'on part là, vraiment, quand même tôt demain matin. Fait que c'est ça, puis on va revenir tard samedi soir, puis il faut partir tôt dimanche matin. Fait que, le moins qu'on s'allie, le mieux c'est. Fait qu'on va juste manger, on va tout sacrer dans les sacs, on va sacrer ça dans les poubelles, on veut pas saler de vaisselle, on veut pas. Genre, on veut pas rien faire. Fait que c'est ça. Donc, on essaie de garder la maison le plus propre possible pour qu'on aille comme pratiquement que, genre, tu sais, notre petite vaisselle du matin, puis genre faire les lits, là, avant les visites. Mais c'est ça. À date, ça s'entretient quand même bien, à part Laurent. Hein, Laurent qui vide des bacs de jouets. Hein, Laurent? Maman. Quoi? Regarde ici. Quoi? C'est la manette de la télé. Oh, doudou! Fait que c'est ça, il est en train de regarder ses petites émissions. Je suis en train de verser. Lénali adore pas mal aujourd'hui, je trouve. Mais en même temps, tant mieux, là. Si elle adore beaucoup, là, elle va avoir une belle période d'éveil ce soir, puis on va pouvoir la coucher pas trop tard. À cette heure, je suis capable de la mettre dans son lit, dans le Moïse. Je la couche comme il faut, je donne sa suce. Des fois, il faut que je donne sa suce 2-3 fois, peut-être même 4. Mais j'essaie de m'endormir entre chaque fois que je donne sa suce. Puis à un moment donné, je me rouvre les yeux, je me rends compte qu'il est rendu 2h30 du matin. Fait que dans le fond, la dernière fois que j'ai donné sa suce, elle est tombée endormie, tu sais. Fait que c'est ça. Pour ça, ça va bien. Mais là, c'est ça. Ce soir, faut vraiment que je fasse le sac. Ce soir, faut vraiment que je fasse le sac là, de. Tu veux changer? Ou tu me la donnes, c'est tout? Tu veux juste me la donner? En tout cas, c'est ça, ouais. À ce moment, il faut que je fasse ton sac pour aller chez ma belle-sœur. À la base, on se demandait si on allait dormir là-bas. Puis tu sais, ma belle-sœur, t'es comme, est-ce que vous allez dormir ici? Puis, on aurait full aimé ça. Ça nous aurait fait un break aussi. Mais je pense pas que ça va être possible avec les visites. Puis tu sais, ma belle-mère, là, à un moment donné, je veux pas abuser de sa charité non plus. Là. Déjà qu'aujourd'hui, elle a pris Lénali, elle a pris mon chien. Là, demain, elle prend Jackson et Laurent. Zach vient avec nous. Ouais, c'est tantôt, j'ai dit Jay, moi, puis Lénali, mais Jay, moi, Lénali et Zach.
Fait que c'est ça, tu sais, on. Tu sais, juste pas qu'on va revenir à 4 heures, par exemple. On risque de revenir relativement tard. Fait que là, je sais pas si ma belle-mère. Elle va finir par regarder les gars coucher, mais ça, je veux comme pas abuser parce que là, en plus, dimanche, faut qu'on parte de 10 à 4. Faut emmener le chien. Tu sais, comme legit, on peut laisser les chats ici, j'imagine. Mais pas les chiens. Fait que. Ben, pas les chiens, pas le chien. Fait que là, c'est ça là, qui m'embête. C'est déjà qu'il faut amener le chien. T'sais, au début, j'étais comme, on va aller magasiner, on va aller se promener, tu sais, mais comme, c'est quand même 6 heures. Puis là, avec le chien, c'est une autre affaire, tu sais. En même temps, si ma belle-mère aurait juste mon chien à garder, ça serait une autre histoire. En tout cas, on verra en temps et lieu, on verra, mais qu'on soit rendu là. Pour l'instant, on n'est pas là, mais c'est ça. Bon, fait que là, j'attends patiemment que l'annonce se fait mettre en ligne. Genre, à chaque 20 minutes, je suis sur Centris, puis là, j'ai mis comme Gatineau. Avec ma région. Mais je vais vous le dire, là, Chris, ma famille va vous le dire. J'habite à Masson-Angers, pour ceux qui viennent de Gatineau. Fait que, tu sais, je check, là, j'ai mis Gatineau, Masson-Angers. Fait que là, ça me sort comme 3 pages de maison. Fait que là, je fais juste que, genre, actualiser en espérant qu'elle soit mise en ligne. C'était supposé être ce soir, là, de ce que j'ai compris entre le courtier puis la photographe. Il a dit, je vais avoir ça comme demain. Puis là, elle a dit, oh, mais c'est mes derniers clients, là, vous allez avoir les photos ce soir. Fait que c'est ça. Fait que là, j'imagine qu'il va mettre l'annonce en ligne ce soir, ou genre demain matin. Fait que c'est ça, c'est bien excitant. Je vais vous la linker en bas d'infos, la maison, parce que ça risque d'être en ligne lundi, ou peut-être mardi, là, on verra. Peut-être, en tout cas, lundi, mais en après-midi. Mais si elle est encore disponible, je vais vous la laisser. Vous allez encore avoir le temps de venir visiter si ça vous tente. Les visites, c'est jusqu'à mercredi. Fait que c'est ça. Et là-dessus, je vous laisse. On va se parler bientôt. Bye!